Hey, salut à tous, c'est Fios Lacan, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo d'information, car en fait, je suis aujourd'hui ici pour vous montrer le DLC, enfin le trailer du DLC de GTA V. C'est la partie 2 des braquages, donc ça fait super longtemps qu'on attendait ce DLC. Il y aura plein de nouveautés, des véhicules, des avions, je pense, des armes, peut-être des QG, enfin je sais pas trop. On se laisse avec le trailer et on se reprend tout de suite après. A tout de suite. The data is clear, it's right now. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. It has to be the Russians, or the North Koreans, or the Chinese, or the Iranians. We would need a ballistic missile launcher to have half a chance. This cannot be traced back to me. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist! This is the apocalypse. The doomsday scenario. Mushroom cloud, fallout. Oh, it's supposed to be at a potluck. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. Rated M for mature. Donc voilà, en fait, voilà, bah voilà, vous avez vu le trailer. Donc comme on peut penser, il y aura pas mal de nouveautés, je pense, sur ce DLC. Donc franchement, après, je connais Rockstar. Ils font chier avec leur putain de thunes qu'il faut avoir. Parce que le DLC, je pense que si on veut tout acheter, il faudra au moins, je ne sais pas combien de millions d'euros, même, je pense, peut-être des milliards. Franchement, Rockstar, ils abusent là-dessus, en fait. Donc voilà. Alors, je vais vous mettre des images à l'écran, en même temps que je parle, quoi, en fait. Donc, pour vous montrer un peu près les nouveautés qu'il y a. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, un nouveau QG, je pense. Donc, regardez comme c'est super magnifique. Et on peut voir, c'est un grand bureau. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. Alors ici, on peut apercevoir juste derrière le gars un sort d'hélico de l'armée. Donc voilà. It has to be. Donc ici, on peut apercevoir l'arme qu'il a. On dirait un nouveau fusil à pompe, un petit fusil à pompe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression de voir ça. Donc dites-le moi. North Koreans or the Chinese. Alors ici on peut apercevoir un nouveau hélicoptère ou avion, je sais pas trop, non, on dirait plus un hélicoptère. Donc je pense que c'est un nouveau hélicoptère, je pense qu'il a l'air d'être plutôt stylé, donc on va voir plus tard. We would need a ballistic missile. Donc ici on peut apercevoir un nouveau véhicule de l'armée qui lance des missiles, j'ai l'impression qu'il détecte les cibles, donc c'est plutôt stylé. This cannot be traced back to me. Alors ici, on va passer sur deux choses en même temps. Alors on a l'impression qu'il y a un nouveau gros camion en fait qui défonce tout sur son passage. Et un nouvel avion qui a l'air d'être plutôt sympathique. On dirait un petit peu l'Hydra. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist. Alors ici, on voit une nouvelle voiture qui a l'air d'être plutôt sympa. En fait, j'ai l'impression que c'est la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean, je crois que c'est ça. Donc elle vole, ça part un petit peu en couille, mais franchement, regardez, ça a l'air d'être plutôt stylé quand même. Donc ici, on voit que c'est plus pareil les mêmes maps qu'avant, c'est plus en relief, c'est en écran en fait, tout simplement, donc c'est plutôt stylé. Mushroom Cloud. Donc ici c'est pareil, on voit deux trucs en même temps, donc une nouvelle voiture qui va en dessous l'eau, plus le sous-marin, donc j'ai l'impression que ça c'est l'intérieur du sous-marin, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais j'ai l'impression que c'est l'intérieur du sous-marin, donc c'est plutôt sympa. We had a potluck. Say hello, Clifford. Yo. Alors ici, je suis vraiment obligé de faire un arrêt sur image. Regardez juste derrière les personnages. On a l'impression que c'est enfin, j'ai envie de dire enfin, le jetpack qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Donc franchement, ça va faire vraiment très 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 plaisir. You're embarrassing me, Avon. On le retrouve également ici. Il y a vraiment moyen de se taper des barres avec le jetpack.
Donc on est de retour, franchement, le DLC sort le 12 décembre prochain, donc c'est mardi prochain, donc soyez présents sur GTA V. Franchement, le DLC a l'air d'être juste énormissime. Ça fait longtemps que je pense que je vais pas autant m'éclater comme ça sur GTA, parce que franchement, vu en ce moment avec la thune que j'ai, c'est vraiment pas possible de jouer. Donc on verra s'il faut acheter un QG ou quoi, un nouveau QG pour faire les braquages. J'espère pas, j'espère que ça sera pareil dans notre appart ou dans je sais pas quoi. Mais j'espère pas qu'ils vont nous faire encore acheter un QG. On verra bien, et puis bah moi je vous dis, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, et ciao tout le monde.